aussitôt déclenché la colère des étudiants. Il a enfin atteint ce pourquoi il s'est battu comme un chien pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Il avait dans la tête, enfin j'y suis arrivé. Voilà Nicolas Sarkozy qui entre dans la cour, la voiture donc est au pas. J'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant je suis à l'UDR. Quand on mangeait nos glaces au drugstore, il nous disait quand je serai président de la République. Ce qui nous intéresse c'est d'aider Jacques Chirac. Assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Quand vous regardez sa vie, vous vous dites à un moment donné, ça va finir mal. Et ça peut finir mal. Et ça repart. C'est quelqu'un qui, sans arrêt, prend des risques. Il a besoin de vous. La France a besoin de lui. Voici Édouard Balladur. Il a lâché Jacques Chirac, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que Nicolas était reçu dans la famille de Jacques Chirac, comme s'il était un membre de la famille. Pour Jacques Chirac, Sarkozy est devenu une sorte de sale gosse. Mais il n'a pas été capable de l'arrêter. Madame Sarkozy, que ressentez-vous aujourd'hui? Que ressentez-vous un petit mot? On ne peut pas concevoir l'ascension de Nicolas Sarkozy sans Cécilia. C'est vraiment une affaire en tandem. Bien sûr, les parents sont très fiers. C'est quelqu'un qui... dans son enfance, a souffert justement d'avoir été négligé par son père. Il était plus petit que ses frères, et peut-être il travaillait moins bien ou plus difficilement. On était des enfants divorcés, on était enfants d'immigrés. C'était pas très simple. J'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible d'appartenir à une grande, à une vieille, à une belle nation, la France. De cet enfant humilié qu'il a eu le sentiment d'être pendant si longtemps, il a fait un président de la République. C'est un personnage extrêmement complexe. Et il est heureusement plus complexe que ce qu'il a l'air d'être. Comment naît chez un homme l'ambition de devenir un jour président de la République? Après avoir tenté d'apporter quelques réponses à cette question pour Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore Ségolène Royal, voici l'itinéraire de celui qui, le 6 mai 2007, devenait donc le 6e président de la 5e République. D'abord, où faut-il chercher l'origine de cet appétit pour la politique? Dans son histoire familiale, dans ses combats, dans ses rencontres personnelles ou publiques? Une première clé peut-être. Nicolas Sarkozy n'aura de cesse de se confronter aux nombreuses figures d'autorité qu'il va rencontrer au cours de son histoire. Des oppositions, une méthode, une persévérance, des ruptures, voilà ce qui fera sa marque au fil du temps. Reste à savoir pour qui et pourquoi voulait-il à ce point réussir? Y a-t-il une part d'affectif derrière cette ambition? Une chose est sûre, tout a commencé tôt, très tôt et très vite. Un itinéraire politique qui débute dans les Hauts-de-Seine, à Neuilly. En avril 1983, le fauteuil de maire est devenu vacant. Achille Peretti, qui occupait ce poste depuis 36 ans, vient de disparaître. Et la ville, généralement si paisible politiquement, s'apprête à vivre des heures mouvementées. Nous sommes le 29 avril 1983. La salle du conseil municipal de Neuilly-sur-Seine est en ébullition. L'enjeu est important, car c'est ce soir que les conseillers municipaux doivent élire leur nouveau maire. Il y avait énormément de monde, une chaleur absolument étouffante. C'était la première fois qu'il y avait une élection qui posait un véritable problème sur la ville de Neuilly. Ce problème, c'est en fait la candidature surprise d'un jeune homme d'à peine 28 ans. Il s'appelle Nicolas Sarkozy et il a fait un choix audacieux. Tenter de ravir le fauteuil de maire. Une tentative qui est loin de faire l'unanimité. Son image indique la tension qui l'anime à ce moment-là, parce que tout le monde est dans l'incertitude. Arnaud Tellet est à l'époque un jeune homme de 15 ans, passionné de politique, et c'est à l'aide d'un caméscope qu'il va filmer le premier incident de la soirée, l'intervention d'un conseiller municipal. Je pense qu'un maire doit avoir de l'impartialité. Il doit avoir de la compétence.
Ces propos du préfet Jean-Émile Viez sont une attaque en direction du candidat Sarkozy, qu'il juge beaucoup trop jeune. Le préfet Viez se lève et dit « Nous sommes à Neuilly, nous n'allons tout de même pas élire un maire en culotte courte. » À ce moment-là, brouhaha dans l'Assemblée, les élus proches de Nicolas Sarkozy le sifflent, lui demandent de s'asseoir, il y a des invectives qui partent dans tous les sens. Pour bien comprendre ce qu'il se passe ce soir-là, il faut remonter seulement quelques jours en arrière. Car Nicolas Sarkozy n'était effectivement pas le successeur naturel d'Achille Peretti. Nous voilà donc 2 semaines plus tôt. Le maire de la ville vient de mourir d'une crise cardiaque. Nicolas Sarkozy et son ami Patrick Balkany se précipitent aussitôt dans une clinique de Neuilly pour annoncer la nouvelle à Charles Pasqua. J'étais à la clinique où je devais subir une petite intervention chirurgicale. Et Nicolas est arrivé avec Balkany pour me dire « Il faut sortir, il faut venir vite, parce qu'il faut préparer la suite, il faut que vous soyez candidat à la mairie. » Car c'est bien Charles Pasqua, conseiller municipal, proche du défunt maire, qui est naturellement pressenti pour lui succéder. Pasqua venait d'entrer au conseil municipal de Neuilly dans la perspective de succéder à Achille Peretti. C'était absolument, sinon, je crois officiel en tout cas, connu de tout le monde. Et il y a urgence, car le vote du conseil municipal aura lieu dans 15 jours. La campagne doit donc être rapide et intense. On rhabille Charles Pasqua et on le ramène chez lui et on passe la nuit avec lui. À préparer quoi ? La campagne de Charles Pasqua. J'ai dit à Nicolas, bah écoutez, occupez-vous-en. Nicolas Sarkozy va prendre les choses en main. Il multiplie alors les rendez-vous avec les élus de la ville pour obtenir leur soutien à la candidature de Charles Pasqua. Charles pense que Nicolas Sarkozy, qui est à la mairie de Neuilly depuis 1977, va être l'homme qui va lui faciliter le travail. Le travail, Nicolas Sarkozy le fait. Mais les premiers retours sont surprenants. Il s'aperçoit rapidement que Charles Pasqua ne correspond pas au style de Neuilly. Et qu'en fait, il y a une sorte de rejet. Alors que faire ? Le compte à rebours est lancé, le jeune conseiller s'interroge. C'est alors que va naître une idée un peu folle. Il se dit, mais dans le fond, pourquoi pas moi ? C'est jouable. Il a senti que c'était une occasion exceptionnelle pour lui. En quelques jours, le scénario prévu a donc changé. Nicolas Sarkozy a décidé d'être lui-même candidat au poste de maire. Nicolas Sarkozy a dû employer une énergie considérable pour aller convaincre les 49 conseillers municipaux. Et donc il va les voir un par un pour les persuader de voter pour lui. Il allait chez eux à 10h du soir, il en repartait à minuit et les types n'en pouvaient plus en disant « Mais oui, on votera pour toi ». Seulement cette décision a tout de même quelques conséquences. Charles Pasqua n'entend pas du tout en rester là. Il appelle alors le président du RPR, Jacques Chirac, qui très vite demande à l'un de ses conseillers de régler le problème. Ce conseiller, c'est Bernard Ponce. J'ai reçu un coup de téléphone de Jacques Chirac qui m'a dit « Écoute Bernard, nous avons un problème à Neuilly. Charles veut prendre la succession d'Achille Peretti, mais il est gêné par un petit jeune, là, je sais pas si tu le connais, c'est Sarkozy. Bon, il faut que tu le convoques et que tu règles cette affaire. » Et Bernard Ponce de s'exécuter. Il convoque alors le jeune candidat. Et là, tout de suite, Nicolas m'a fait la démonstration, mais d'une manière absolument éblouissante, qu'il n'y avait pas de problème. Le problème ne se posait pas, il était réglé. Lui, Nicolas, serait élu maire de Neuilly. Il faut quand même avoir le culot d'aller braver ce qui est prévu en haut lieu, c'est-à-dire par le président du RPR, Jacques Chirac, par son numéro 2, Charles Pasqua, par son numéro 3, Bernard Ponce. Et quand il est sorti, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jacques Chirac, et je lui ai dit, écoute Jacques, tu peux appeler Charles, il ne sera pas maire de Neuilly, c'est Nicolas qui sera maire de Neuilly, et personne ne peut le contrecarrer. La première victime des ambitions du jeune Nicolas Sarkozy s'appelle donc
Charles Pasqua. Pasqua était quand même un des caciques, un des fondateurs, une icône, comme on dit maintenant. Et Sarko avait eu le courage, l'inconscience de s'attaquer à cette icône, de l'humilier. Sur le moment, on ne peut pas être très content, parce que je lui avais dit, occupez-vous de ma candidature. Donc il s'en est occupé, si j'ose dire. Charles Pasqua doit donc s'incliner. Il renonce finalement à se porter candidat. Revenons maintenant à ce vendredi 29 avril 1983. Nicolas Sarkozy va désormais savoir s'il a réussi à convaincre une majorité de conseillers municipaux de voter pour lui. À la mairie, l'heure est au dépouillement. Le scrutin est serré entre le RPR Nicolas Sarkozy et le candidat centriste Louis-Charles Barry. Les premiers bulletins sortants allaient plutôt vers moi, ce qui fait que les RPR a commencé à s'agiter. Je peux vous dire qu'on était tous tendus et on comptait les voix au fur et à mesure qu'elles sortaient. Pour l'emporter, Nicolas Sarkozy doit obtenir une majorité absolue. Il y a 49 conseillers municipaux votants. Il lui faut donc 25 voix. À la fin, aux environs du 20e bulletin Nicolas Sarkozy, le public se met à compter les bulletins A1, 23, 24, 25, 26. Quand on a passé la barre, ça a été la grande joie et le soulagement en même temps. Enfin, il n'a pas été élu de manière triomphale non plus. Hein. Monsieur Nicolas Sarkozy est élu. C'était tout à fait coup d'État. Je me rappelle, hein, les gens étaient un peu abasourdis quand même. Ils se demandaient qui était ce garçon qui avait osé si jeune. Un jeune maire qui a déjà le sens de la stratégie pour l'avenir. La première personne qu'il va très vite saluer ce soir-là, c'est bien sûr Charles Pasqua. Vous savez, la vie est ainsi faite, hein. Il faut être philosophe. Charles Pasqua sera donc forcé d'être philosophe. Contre toute attente, à 28 ans, Nicolas Sarkozy vient de remporter sa toute première victoire politique. Une victoire qui se déroule ce soir-là sous les yeux de ses frères, de sa mère, que l'on appelle Dadu, mais aussi de son père, Paul Sarkozy. L'image d'une famille réunie qui fait bloc et qui est en fait, vous allez le comprendre, assez rare. Et c'est dans cet appartement, chez sa mère, André Sarkozy, que le nouveau maire de Neuilly va célébrer sa victoire. Elle avait prévu d'inviter quelques amis, de toute manière, hein, quelle que soit l'issue de l'élection. Il y a eu une masse, une foule qui est arrivée chez elle. Ça a été extraordinaire, une ambiance passatoire. À partir de 15 voix, tout le monde comptait à haute voix, tu sais. 16, 17, 18, à 23, tout le monde en train de lui hurler. Dadu, la maman de Nicolas, dit toujours que c'est sans doute dans la carrière politique de son fils l'instant qui pour elle est resté le plus fort. Le fait de voir que son fils arrive là, c'est une sacrée fierté. Une fierté pour une femme qui a en fait élevé seule ses trois fils et qui, le temps d'une soirée, a voulu reconstituer la cellule familiale en invitant le père de ses enfants. Il fallait trouver du champagne, il fallait réveiller des gens, des boutiques, parce qu'on était bourrés chez Dadu. Ce soir-là, Nicolas Sarkozy offre une victoire à sa mère, mais il adresse aussi un message à son père, un père qui ne l'a jamais valorisé. Il était fier de montrer qu'il faisait beaucoup mieux que son père, pas dans le même domaine, mais qu'il dépassait son père. Bien sûr qu'il était fier. Alors, quels sont les sentiments qui traversent ce soir-là l'esprit de Nicolas Sarkozy? Derrière l'image d'une famille apaisée se cache en fait une réalité beaucoup plus complexe, faite de blessures et d'humiliations enfouies. Tout remonte à la fin de l'année 1959.
André Sarkozy, alias Dadu, vient de décider de quitter son mari. Elle emmène avec elle leurs trois garçons, Guillaume, François et Nicolas, âgés de 4 ans. Elle appelle son père en lui disant « J'arrive avec les enfants et je quitte Pâle. » Il fallait qu'elle se sépare de lui pour des raisons qui la regardent, eux. Franchement, il a raison. La mère de Nicolas Sarkozy ne supporte plus que son mari soit aussi volage. Et elle quitte ce beau Hongrois qu'elle a sûrement aimé follement. Une rupture qui sera à l'origine de beaucoup de choses. Pâle Sarkozy de Nagyboksa, aristocrate hongrois arrivé en France dans les années 40, est à la fois un mari et un père absent. C'est quelqu'un qui est un séducteur invétéré, qui toute sa vie n'a pas pu résister et qui vivait pour son bon plaisir et qui n'était pas un père. On avait un père qu'on voyait pas, qu'on voyait parfois une fois par semaine pour déjeuner avec lui, c'était un peu limité. Je travaillais beaucoup, donc je voyais très peu. Et en plus, j'ai aimé les jolies femmes. C'est compliqué de ne pas avoir de père, de ne pas le voir. Après la séparation, André Sarkozy se retrouve obligé de retourner vivre chez son père avec ses enfants, au 46 de la rue Fortuny, dans le 17e arrondissement de Paris. On avait un étage qu'on partageait avec ma mère et mes frères. Et mon grand-père habitait juste en dessous avec ma tante. Il avait aussi son cabinet de médecin qui était là. Tout ça était très vieillot. Les couleurs, c'était très sombre. Donc ça donnait une image, je dirais, un peu de temps qui ne serait pas en mouvement. C'était pas les beaux appartements clairs, lumineux, avec des moquettes qu'on voyait chez notre copain. Oui, c'était pas ça. Tout cela impose un nouveau cadre de vie pour les trois frères. Mais leur mère se retrouve également face à de nouvelles responsabilités. Elle a décidé à ce moment-là de reprendre ses études, qu'elle avait interrompues, ses études de droit, de commencer à travailler. Elle va avoir une vie extrêmement active, lever 6 heures, coucher tard, après avoir fait l'ensemble des tâches. On avait une mère formidable, mais qui travaillait énormément, qui rentrait très tard, qu'on ne voyait pas beaucoup. C'était pas simple tous les jours. Et celui qui vit le plus mal cette absence, c'est le cadet de la famille. Tous les soirs, Nicolas l'attend aux démarches parce qu'il a toujours peur qu'elle ne revienne pas. Quand sa mère revient à la maison, Nicolas Sarkozy est en demande. Il considère qu'elle ne lui prête pas assez attention. Sa maman passait son temps à roucouler devant la beauté du petit dernier, ses réussites scolaires. Le petit dernier, c'est François. Le grand, c'est Guillaume, avec qui Nicolas a des relations souvent tendues. Guillaume ayant un peu endossé le costume du père, Nicolas n'acceptait pas forcément que son frère ait cette double casquette. Donc cela créait des bagarres mémorables entre Guillaume et Nicolas. Chaque fois que son frère aîné voulait lui faire entendre raison, remontait à l'assaut, son frère aîné lui foutait une claque, il repartait en disant « même pas peur ». Et hop, il remontait, et l'autre lui rebalançait une tarte, et puis à la fin, il se lassait. C'était la force formidable de Sarkozy qui s'est forgée aussi à ce moment-là, ne jamais renoncer quoi, et se battre. Nicolas Sarkozy a aussi le sentiment que son père le valorise beaucoup moins que ses frères. Guillaume, il était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Nicolas ressemble plus à sa mère que les autres fils. Il avait des difficultés à l'école. C'est le seul qui a redoublé une école. Aucun de mes fils n'a redoublé. Peut-être parce qu'il était plus petit que les autres. Peut-être parce qu'il avait plus de difficultés. C'est une blessure terrible dans son identité. Ça a sûrement été celui des trois garçons qui a le plus souffert de cette distance du père. Un père absent, dont les affaires prospèrent et qui refuse d'aider financièrement son ex-épouse. Une mère trop occupée. Dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, l'enfance n'est clairement pas une période heureuse. Profondément, il était marqué parce que, à l'époque, être fils de divorcé, ça marquait. C'était pas accepté dans les milieux, je dirais, bourgeois. Les enfants de divorcés, c'était les seuls dans l'école. Il était regardé un peu de travers et invité, au fond, par compassion. Et chaque fois, il me disait,
on me mettait en bout de table. Jamais plus. Jamais plus je serai en bout de table. Il en parlait d'ailleurs en citant une assez jolie phrase de Barrès. « Jeune, infiniment sensible, humilié, vous étiez mûr pour l'ambition. » Quelques années passent. Et l'enfant blessé est devenu un lycéen complexé. C'est pas quelqu'un qui est extrêmement bien dans sa peau. Jean-Marie Chaussonnière est un de ses copains de classe. Il se souvient de l'ambiance. On riait tous les deux de notre taille, parce qu'on n'est pas des géants. On avait souvent une recherche dans Blanche-Neige et les Sept Nains pour savoir lequel des Sept Nains nous représentions par rapport au caractère. Et puis, il avait un nom à consonance étrangère. Et je pense que ça aussi, dans une cour de récréation, il n'y a rien de plus ingrat qu'une cour de récré. C'est des choses qui ressortent. Un quartier chic de la capitale, une école privée prestigieuse. Malgré des conditions de vie privilégiées, Nicolas Sarkozy garde un sentiment de déclassement. La vie de Nicolas n'est pas un enfer du tout. Il passe ses vacances à Royan, il part avec sa tante à Biarritz. Ça ferait le bonheur de 98% des enfants d'aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas la réalité de l'enfance. Ce qui est important, c'est la perception de l'enfance. C'est la perception des événements qui vous forge. Il se considérait comme pauvre et pauvre au milieu des riches, ce qui est beaucoup plus difficile. En tous les cas, il le ressentait certainement là comme une humiliation. C'est surtout le fait que le père les ait abandonnés, les ait laissés sans argent, alors que lui faisait fortune de son côté, faisait croire qu'il n'avait plus un sou alors qu'il garait sa belle voiture. Donc ça l'a absolument exaspéré, Nicolas Sarkozy, et ça lui a donné un désir de revanche. Pour tenter d'apaiser ce conflit intérieur, il y aura durant cette période un repère, un homme. La figure masculine centrale de l'enfance de Nicolas Sarkozy, c'est Bénédicte Mallat, son grand-père. Notre grand-père, c'était un chêne, c'était une racine, c'était une référence. Alors il parlait pas, il disait pas grand-chose, mais on passait des moments ensemble, devant le feu, dans son potager. C'est lui qui nous a forgés. C'était le père de substitution de Nicolas, quoi. Mais en pleine adolescence, à la fin de l'hiver 1973, Nicolas Sarkozy perd celui qui était devenu son modèle. Bénédicte Mallat disparaît. J'avais vu sa tristesse immense par rapport à l'admiration qu'il avait pour ce grand-père gaulliste. Vous savez, c'est une attache très forte, notre grand-père. C'était notre porc qui partait. Et c'est au moment de sa mort que ses petits-enfants découvrent alors un secret de famille, jusque-là bien gardé. Les frères Sarkozy ont appris que leur grand-père était juif simplement à sa mort. Mon grand-père venait de Salonique et il restait des cousins ou des grands-oncles que moi je ne connaissais pas. Une partie de la famille maternelle a en fait échappé à la déportation et vit encore à Salonique en Grèce. Au cours de l'été 1974, Nicolas Sarkozy se met alors en tête de les retrouver à l'occasion d'un voyage avec l'un de ses amis. J'emprunte une voiture, une vieille Volkswagen, et on est parti, on a fait 10 000 km. Donc ils ont traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie. Et après quelques jours de voyage, Nicolas Sarkozy arrive à Salonique avec un objectif bien précis, obtenir une part d'héritage que son grand-père n'a jamais touchée. On a une adresse sur un papier, le nom de son oncle, et on a un quartier, une adresse, c'est tout. Les cousins, rapidement retrouvés, confirment l'existence de biens familiaux. Nicolas Sarkozy veut maintenant percevoir ce qu'il est venu chercher. Il est allé voir un notaire pour obtenir un peu quelque chose, l'héritage pour sa mère. Il m'avait dit qu'il je repartirais avec l'argent, ils nous le doivent, il faut nous le donner. Il est resté plusieurs heures à batailler, le notaire ne voulait rien lui donner. J'ai attendu, je crois, 3 ou 4 heures en voiture. Et de haute lutte, il a récupéré cet argent qu'on a mis dans notre pantalon, d'ailleurs, et autres, parce qu'on n'avait pas trop le droit de passer la frontière avec ça. Rapporter une forme de butin à sa mère, c'est important aussi dans
le lien de tendresse et de complicité. Et Nicolas Sarkozy réussira à passer la frontière avec cet argent. Il rapportera l'équivalent de 3 à 4 000 francs de l'époque, une somme finalement assez modeste. Mais le geste est symbolique pour sa mère qui vient de s'installer à Neuilly-sur-Seine. C'est donc dans cette ville chic de la banlieue parisienne que va naître l'ambition de son fils pour la politique. À 21 ans, le jeune homme a déjà choisi son camp. Ce sera le parti de son grand-père, le parti gaulliste. Un matin de 1974, j'ai vu quelqu'un, un petit jeune homme, qui poussait la porte. Il m'a dit, je voudrais m'inscrire et militer. Je lui ai dit, bon, quel est votre nom? Il m'a dit, Nicolas Sarkozy. Très vite, le jeune militant va avoir l'occasion de montrer sa détermination. Il est le premier arrivé, le dernier parti. Il éteint les lumières le soir quand il part. Il repeint, c'est vrai, la permanence. Il distribue des tracts. Et de toutes les bagarres, de toutes les réunions. Il voulait se rendre indispensable. S'il y a quelque chose à faire, laisse-moi faire, fais-moi confiance, je le fais. Le jeune militant s'impose comme un leader au sein du parti et à la faculté de droit de Nanterre. Il réclame la reprise des cours à l'occasion d'une grève. Il va faire venir beaucoup de jeunes. Il va rameuter vraiment le banc et l'arrière-banc de ses copains. On peut avoir 18-20 ans, être lycéen et être fidèle à la pensée du général de Gaulle. Alors nous sommes là pour essayer de répondre à vos questions. C'est ce qu'on va essayer de faire le plus sympathiquement et le plus sincèrement possible. Isabelle Collery fait partie des jeunes recrues de Nicolas Sarkozy à l'époque. Naturellement qu'on était de ses idées à la base, mais c'était sa personnalité qui nous attirait, plus que l'engagement ou syndical, étudiant ou politique. Et à ses côtés, on retrouve également un jeune homme. Son nom, Brice Hortefeux. Brice vient l'aborder par la permanence de Neuilly et est très vite conquis par le personnage. Il est absolument admiratif devant Nicolas. Brice est le premier militant, je dirais, sarkozyste à avoir mis l'affiche de Nicolas dans sa chambre par admiration complète et totale. Mais rapidement, Neuilly n'est plus un cadre suffisant pour les ambitions du jeune militant. Il passe alors de plus en plus de temps ici, au siège du parti gaulliste, à Paris. Je vois au bout du couloir un jeune garçon qui était là et qui était un peu perdu. Alors je me suis approché et je l'ai abordé en lui demandant ce qu'il venait faire. Et il m'a dit, voilà, je suis étudiant à Nanterre, je travaille et je livre des fleurs. Et voilà, je m'appelle Nicolas Sarkozy et nous avons engagé la conversation. Et lorsque Robert Grossman est chargé de préparer une tribune politique à la télévision, il va très vite penser à sa nouvelle recrue. J'ai construit cette émission en choisissant mes jeunes, si j'ose dire, et Nicolas était évidemment le plus emblématique. Pour lui, c'était tout neuf. Il n'avait jamais fait ça. Il faut pour Nicolas Sarkozy, pas question de rater ce premier rendez-vous télévisuel. Là aussi, l'UDR s'y attache. Nous avons beaucoup répété. Comme dans un cours d'art dramatique. Je lui faisais faire son texte et je lui disais, Nicolas, je suis la télé maintenant, tu me parles, et n'oublie pas que derrière, il y a des millions de gens qui peuvent regarder, donc vas-y. Tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain. Il a révélé un talent oratoire naissant, mais qui était très réel. Il a fait beaucoup de magnétoscopes à l'époque. Il a beaucoup répété, essayé de regarder. Et puis à l'UDR, on ne m'a pas désigné un ennemi tout fait. On ne m'a pas dit la vérité est une et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDR. Le baptême cathodique est jugé réussi par l'état-major et il va permettre à Nicolas Sarkozy d'accéder à l'épreuve reine en politique. Quelques semaines plus tard, le 14 juin 1975, les dirigeants et les militants gaullistes sont réunis à Nice pour un rendez-vous politique majeur. Les assises de l'UDR, à l'époque, c'est
C'est un grand barnôme. Il y avait un certain nombre d'orateurs, mais enfin, c'était plutôt les grands ténors du mouvement. Montrons que le gaullisme, c'est avant tout l'union, le courage et l'espoir. Et après les ténors du mouvement, quelques jeunes sont invités à s'exprimer à la tribune, et parmi eux, Nicolas Sarkozy. Les gens avaient la tête qui, emplie de mots, avaient envie d'une seule chose, c'est d'aller boire une bière, faire pipi, enfin, un peu de silence. Nicolas Sarkozy a donc seulement quelques minutes pour capter l'attention des 6000 personnes, et parmi elles la plus importante, le chef du parti gaulliste. Et puis tout d'un coup, c'est Chirac, qui ne connaissait pas Sarkozy, qui lui dit « C'est toi, Sarkozy ?» Il voit un gamin, il dit « Oui, c'est moi. » « Bon, mais t'as 3 minutes. » Et on lance le petit Sarkozy à la tribune. Et on a vu ce jeune garçon, un peu hirsute comme ça, mais s'exprimant extrêmement bien, très clair dans ce qu'il disait. La journaliste Catherine Ney assiste à la scène qu'aucune caméra ne filme ce jour-là. Et voilà ce que Nicolas Sarkozy va leur dire. Je vous admire, j'ai la tête dans les étoiles de parler devant vous, vous êtes vraiment mes idoles. Et moi, vous savez pourquoi je suis gaulliste, moi ? Eh bien parce que j'ai compris qu'être gaulliste, c'est être révolutionnaire. Le jeune militant qui ne devait parler que quelques instants dépasse en fait largement son temps de parole et finit par soulever l'enthousiasme de la salle. À la fin de la séance, tout le monde était debout, bravo, innovation. Et... Il y en avait qui demandaient des autographes. C'est à cette occasion que Jacques Chirac l'a remarqué, a fait sa connaissance. Le jeune militant a atteint son objectif. Il s'est fait repérer par celui qu'il considère comme son modèle en politique. Jacques Chirac lui donnera alors la possibilité d'exprimer son talent à la tribune. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand. Tellement grand. Il y a tout le côté mise en scène qui va lui plaire, forcément. Cette majorité ne nous intéresse pas. Elle appartient au passé. Nicolas Sarkozy aime les tribunes. Il le vit comme peuvent le vivre les artistes qu'il a pris pour habitude d'observer. Il est showman, il est en spectacle. Et il les étudie comme homme de spectacle. Il regarde quels sont leurs trucs avant, pendant, après, comment ils mettent le public avec eux. Un homme politique ne peut pas jeter sa chemise dans le public. Mais peut-être qu'il aurait adoré pouvoir jeter sa chemise dans le public à la fin d'un meeting politique. Cela fait déjà plusieurs années que Nicolas Sarkozy admire ceux qui ont fait de la scène leur métier. Il est attiré notamment par les stars de la chanson française. C'est pourquoi le jeune conseiller municipal de Neuilly, qui n'a que 22 ans, ne va pas vouloir rater un événement. Le 14 octobre 1977, la mairie de la ville accueille le mariage d'une vedette de la chanson française, Michel Sardou. Il s'agissait de la grande star, enfin des grandes stars, parce que son témoin c'était Johnny, donc c'était des gens qui avaient une notoriété 100%. Michel Sardou et Johnny Hallyday, deux stars que Nicolas Sarkozy rêve d'approcher ce jour-là. On pouvait aller voir Johnny Hallyday 2 soirs de suite, on travaillait, on se payait 2 soirs de suite Johnny. Le répertoire de Johnny, il le connaît par cœur, il connaît toutes les chansons par cœur, mieux que Johnny. Alors, en ce jour de noces très médiatique, Nicolas Sarkozy est venu très tôt à la mairie. Et là, il y avait tous les photographes qui n'étaient pas des photographes spécialisés dans le People. Il y avait des photographes de news, quoi. Tout le monde devait être là. S'il vous plaît, monsieur. Pour entrer dans la salle, il fallait quand même montrer un peu patte blanche. Hein. C'est un service de sécurité qui filtre les entrées. Et malgré son insistance, le jeune homme qui n'a pas sur lui sa carte de conseiller municipal n'est pas autorisé à entrer dans la salle des mariages. Mais il est viré. Il est viré parce qu'il est trop jeune, on ne veut pas croire qu'il est un élu municipal. Il en a conçu une humiliation incroyable. Et effectivement, Nicolas Sarkozy n'oubliera pas cet épisode. 6 ans plus tard, le conseiller municipal prendra en quelque sorte sa revanche. Nous en parlions tout à l'heure, il deviendra à 28 ans le maire de la ville. Dès lors, plus personne ne pourra l'empêcher de célébrer les mariages de personnalités. Et justement, une première occasion va se présenter. Nous sommes en plein été 1984. Sur son agenda, à la date du 10 août, le nouveau maire de Neuilly interrompt ses vacances en Corse pour aller marier une star des médias de l'époque, Jacques Martin. C'est le showbiz, c'est le pari de la radio-télévision et de l'entertainment. Pour cet enfant de la télé, c'était une consécration de marier Jacques Martin.
Le maire se montre particulièrement amical avec les nouveaux mariés et il va s'adresser à Jacques Martin d'une manière assez surprenante. Il envoie un message subliminal. Il dit, vous savez, j'aimerais en cet instant vous faire un cadeau, une chose que je ne peux pas vous donner, dont vous n'auriez pas l'usage, mais j'aimerais que vous ayez mon écharpe de mère. Et ça voulait dire, en cet instant où je vous marie à cette belle femme, moi j'aimerais que vous soyez à ma place avec mon écharpe de mère et que vous soyez en train de me marier. Évidemment, personne ne comprend. Personne ne comprend parce que Nicolas Sarkozy est lui-même marié depuis 2 ans à Marie-Dominique Cuglioli, une femme très discrète, avec laquelle il aura 2 enfants. Marie, la mère de ses 2 fils aînés, n'était pas du tout dans sa vie politique. Elle était moins préoccupée par la carrière de son mari que par sa vie de famille. Elle a toujours privilégié sa vie de famille à tout le reste. Elle était très, très peu présente à la mairie. Elle était connue en ville, elle était charmante, peu présente. Il a beaucoup d'obligations, de déjeuner, de dîner, rendez-vous. Et je me souviens qu'à l'époque, Marie, elle ne suit pas ce mouvement, c'est pas son truc. Elle est extrêmement calme, elle est pas du tout people, c'est la femme sans histoire. Une femme donc discrète, mariée à un homme en quête de notoriété. Le couple, depuis quelque temps, s'est d'ailleurs lié d'amitié avec les Martins, Jacques et Cécilia. Tout de suite, les Martins et les Sarkozy vont se fréquenter. Cécilia, qui aura 2 enfants, et Marie-Dominique, 2 garçons, les naissances se font à un mois près, à peu près à la même date. Donc on se fréquente beaucoup. Ils forment un petit groupe sympathique qui, au point de partir en vacances ensemble, ils partent avec leurs 4 enfants régulièrement ensemble. Disons qu'on passait beaucoup de week-ends avec Nicolas et Marie Sarkozy d'un côté et papa et Cécilia de l'autre. Et tout ça était c'était d'une belle convivialité, il y avait une belle ambiance, ils étaient très amis. Mais cet équilibre amical va finalement très vite être perturbé. Nicolas Sarkozy tombe amoureux, puis se met à faire une cour comme il sait les faire, c'est-à-dire il envahit l'espace de Cécilia, qui ne travaille pas, parce que Jacques Martin ne le veut pas. Jacques Martin travaille énormément. Il délaisse un peu sa famille. Il est très peu à la maison. Cécilia est souvent toute seule, ce qui fera qu'à un moment donné, elle s'autorisera à regarder un autre homme. Je me souviens d'un dîner d'anniversaire de Nicolas à la mairie de Neuilly, où il y avait Cécilia qui était assise à côté de lui. Ouais. Et elle était encore avec Jacques Martin à l'époque. Nicolas ne la regardait pas d'un œil... No comment. Si vous voulez, quand une belle personne a du temps libre et qu'un homme lui envoie des fleurs et l'appelle tous les jours... Je voyais bien que Cécilia était souvent présente à la mairie de Neuilly. Un jour, d'ailleurs, je lui en ai parlé, en disant les gens pourraient peut-être jaser, parce qu'elle est souvent là. Il a fait une réponse un peu évasive. Et puis, il m'en a parlé quelque temps après. Il a réussi à arracher Cécilia, qui a quitté Jacques Martin très vite, alors que lui n'a pas divorcé tout de suite. Nicolas Sarkozy rentre donc dans une période compliquée de sa vie privée. Mais où en est-il dans son parcours politique ? La prise de Neuilly lui a donné une première assise et une crédibilité. Il sait maintenant que pour aller plus loin, il va devoir s'inscrire dans le sillage du maire de Paris, Jacques Chirac. Il commence à devenir un peu un visiteur du dimanche soir du grand appartement à l'hôtel de ville, de façon habile. Jacques Chirac a vu dans Nicolas Sarkozy le jeune Chirac qu'il avait été dans les années 60. Et le maire de Neuilly gagne également la confiance des proches du clan Chirac. Madame Bernadette Chirac et petit à petit Claude Chirac sont obligés de se dire qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est dynamique, qu'est-ce qu'il se donne comme mal. Il sait faire ça mieux que quiconque, c'est un séducteur aussi hors pair. Il y avait des relations qui étaient bien au-delà des relations politiques. C'était des relations, je dirais presque familiales. Jacques Chirac le considérait presque comme son fils.
Une relation de confiance quasi filiale qui va pousser Jacques Chirac à lui attribuer naturellement un certain nombre de responsabilités. Chirac se dit, mais celui-là, il me le faut avec moi. Jacques Chirac lui a demandé de rénover un peu le style et a dû lui dire, vous qui aimez la télévision, Nicolas, faites quelque chose. À l'occasion de l'élection présidentielle de 1988, Nicolas Sarkozy va tout faire pour rajeunir l'image du candidat Chirac et il commence par moderniser ses meetings. Il va surtout regarder, à vrai dire, ce que font les télévisions françaises, des grands shows de variété. On voit Sarkozy très content d'être dans ce rôle d'animateur de télé. On voit qu'il passe de plateau en plateau. Au fond, le Premier ministre Jacques Chirac, dans cette affaire, n'est que l'invité du jeune Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est un rôle qu'il affectionne particulièrement. Cette communication d'un nouveau genre surprend les barons du gaullisme et impressionne deux personnes très proches du candidat, sa fille Claude, mais aussi Édouard Balladur. Édouard Balladur est le conseiller principal de Jacques Chirac. Et je crois qu'il n'y a pas un sujet important dans la vie de Jacques Chirac qui ne débatte avec Édouard Balladur à l'époque. Édouard Balladur a un ascendant extraordinaire sur Chirac et finalement, Nicolas Sarkozy va découvrir qu'il a beaucoup à apprendre de lui. Dès lors, Édouard Balladur devient pour Nicolas Sarkozy un autre personnage incontournable de son dispositif. Nicolas Sarkozy a tout fait pour entrer dans ses petits papiers. Il est comme ça, il était proche d'Édouard Balladur, il était proche de Jacques Chirac. Mais chacun pensait que Nicolas Sarkozy était un petit peu une exclusivité. Deux personnalités fortes et un jeune conseiller dans l'ombre qui les observe. Et malgré tout ce travail, cette campagne, les résultats électoraux ne sont pas au rendez-vous. Le 8 mai 1988, Jacques Chirac perd pour la seconde fois cette campagne présidentielle. Édouard Balladur, vous vous souvenez de vos premières rencontres avec Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qui ressort le plus? Il est très travailleur et il connaît très bien ses dossiers, de façon générale. Il travaille beaucoup d'ailleurs, et avec précision. Et en même temps, ce n'est pas un dogmatique. Il a un esprit rapide, il s'adapte aux circonstances. Alors ceux qui ne l'aiment pas considèrent que c'est de l'opportunisme. Et ceux qui l'aiment bien, au nombre desquels je me range, considèrent que c'est de l'inventivité, d'une capacité d'adaptation au réel et à l'évolution des choses. Et La traduction parfois de tout ça, c'est aussi, on dit Nicolas Sarkozy, c'est un ambitieux. C'est le résumé trop vite. Il n'y a pas que ça, mais c'est un ambitieux sûrement. Mais vous savez, quand on souhaite être Premier ministre ou Président de la République, on est forcément un ambitieux. Ou alors, pourquoi le souhaiterait-on? On considère, à tort ou à raison, parfois on se trompe d'ailleurs, qu'on est en mesure de faire des choses utiles pour le pays. Donc il était sûrement ambitieux, oui. Mais il avait raison de l'être, puisqu'il est parvenu à ses fins. Et qu'est-ce qu'il vous apporte alors à vous, quand il est à vos côtés? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Eh bien écoutez, j'aimais bien être entouré de gens plus jeunes que moi. Et d'ailleurs on me l'a un peu reproché, mon cabinet c'était la même chose, il y avait beaucoup de gens jeunes, parce que je considérais que ces hommes ou ces femmes, qui avaient 20 ou 25 ans de moins que moi, appartenaient à une autre génération, avaient d'autres préoccupations, une autre sensibilité, étaient plus ouverts sur certains sujets, peut-être moins sur d'autres d'ailleurs. Et j'accordais beaucoup de prix à ça, j'attachais beaucoup d'importance. Ce qui ne veut pas dire que je néglige l'expérience, bien sûr. Il y avait aussi dans mon gouvernement des hommes et des femmes très expérimentés. Mais j'étais très attaché à cet aspect des choses. Alors le temps passe, une nouvelle cohabitation est à l'ordre du jour. Et Jacques Chirac n'ira pas à Matignon. Il vous le fait savoir très vite qu'il n'ira pas à Matignon cette fois-là. Oh, vous savez, nous en avons parlé souvent, notamment lorsque j'ai déclaré à plusieurs reprises qu'avant Matignon, que je ne souhaitais pas être candidat à la présidence de la République. Il m'a dit très souvent, mais il ne faut pas le dire. On verra bien le moment venu, lequel de nous deux sera le mieux placé, etc. Bon. Mais il vous dit quoi? Il vous dit, écoutez, Édouard, je n'irai pas à Matignon? Et ça pourrait être vous? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Il m'a dit la dernière fois, je sais que Mitterrand me demandera d'y aller. Et je lui dirai non. Ben, je lui dis, vous auriez tort, il faut lui dire oui, si vous le demandez. Et on s'en est tenu là.
Et en fait, je crois que M. Mitterrand n'a consulté personne et qu'il a pris sa décision très vite, puisqu'il l'a prise dès le lendemain de l'élection. Et donc, de son côté, Nicolas Sarkozy entend bien trouver sa place au sein de ce gouvernement. Et comme Jacques Chirac, comme Valéry Giscard d'Estaing, il entend occuper le poste de ministre du budget. Et c'est ce poste qu'il va occuper. Le 29 mars 1993, Édouard Balladur est donc nommé Premier ministre par François Mitterrand. Nicolas Sarkozy lui fait part très vite de ses ambitions. Nicolas Sarkozy était vraiment très présent auprès d'Édouard Balladur. Il a beaucoup, je pense, aidé dans sa réflexion, dans sa stratégie. Et il considère qu'il doit en être récompensé. Et donc, il souhaite avoir tout de suite un poste important. Nicolas Sarkozy s'est fixé un objectif, le ministère du budget. Implicitement, le fait de travailler avec lui depuis 5 ans, de manière intime, il est absolument évident que ce n'est pas pour faire autre chose au moment où Édouard Balladur prend le pouvoir. Il a demandé à Édouard Balladur, qui a hésité d'ailleurs. Il a insisté lourdement. Et il l'obtient. Nicolas Sarkozy prend donc la direction de Bercy, siège du ministère. Je lui avais posé la question de savoir pourquoi il avait pris le ministère du budget. J'avais demandé, il m'avait dit, parce que je veux montrer que je sais tout. Il se dit qu'il se rapproche, quoi, qu'il continue de monter les marches. À Bercy, le ministre n'arrive pas seul. Il est accompagné de ses conseillers, parmi lesquels Brice Hortefeux et Cécilia, la femme qui partage désormais sa vie. Il lui avait donné une fonction au sein du ministère qui faisait qu'elle était chargée d'organiser les déjeuners, l'agenda, etc. Au début, c'est vrai que beaucoup de personnes sont un peu étonnées que Cécilia soit très souvent présente à des déjeuners de travail. Et puis passer la première surprise, ils s'y habituent. Nicolas Sarkozy et son équipe prennent leur marque au ministère du budget. Mais c'est un événement éloigné des finances publiques qui va alors placer le ministre au cœur de l'actualité. Nous sommes le 13 mai 1993. À 9h du matin, un homme vient de faire irruption dans la maternelle du groupe scolaire Charcot, à Neuilly-sur-Seine. Moi, j'ai appris ça par un appel téléphonique. 21 enfants de 3 ans et leur maîtresse seraient prises en otage. On ne savait pas du tout à qui on avait affaire. On n'en savait rien. Au même moment, Nicolas Sarkozy arrive à Matignon pour une réunion autour du Premier ministre. Pour le moment, il ignore encore ce qu'il se passe à Neuilly. À 11h30, 40 policiers d'élite du RAID investissent l'école maternelle. On ne sait pas exactement si c'est une prise d'otage, si c'est une attaque, si c'est un fou qui est rentré dans l'école. On voit des parents qui arrivent affolés parce qu'ils ont appris qu'il y avait cette prise d'otage. Madame Laurent, c'est ça ? Oui, alors vous venez. Assez rapidement, les policiers d'élite vont tenter d'engager une négociation avec le preneur d'otage. Le principe de cette opération, c'était d'essayer d'évacuer au fur et à mesure le plus possible d'enfants. Le journaliste Jean-Pierre Abou et Pierre Narboni, le père d'un enfant retenu, vont tous les deux rentrer dans la classe à la rencontre du forcené. C'était infernal à l'intérieur de la salle de classe avec 21 gosses dans le noir. Ils avaient 3 ans. C'est pas des enfants à qui on peut dire « taisez-vous, ne bougez plus ». Il y avait donc cet homme assis sur une petite chaise d'enfant, de maternelle, avec sa cagoule, avec il avait une tenue de motard. Il a une main posée sur un déclencheur et on voit des fils qui vont à différents endroits de la classe. Les forces de sécurité vont pouvoir identifier que ces fils sont reliés à de véritables bâtons de dynamite. L'affaire Human Bomb vient de commencer. On avait réussi à faire entrer une mini-caméra. On voyait qu'il y avait des explosifs, c'était pas du blabla. On sentait qu'il était prêt à appuyer, ça c'est évident. Pierre Narboni et les hommes du RAID parviennent à faire sortir 3 enfants de la classe. Mais à 13h, la situation s'enlise. Informé, Nicolas Sarkozy a de son côté quitté Matignon. Il arrive alors sur place à Neuilly, la ville dont il est toujours maire. Et très vite, il va vouloir prendre les négociations en main.
Il s'est approché de moi, il m'a serré la main, il m'a dit merci, et maintenant c'est à moi d'y aller. Là a commencé sa part à lui de négociation. Nicolas Sarkozy souhaite négocier directement avec le preneur d'otages, contre l'avis de son Premier ministre Édouard Balladur et du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Qu'il aille sur place se rendre compte, très bien. De là, ce qu'il intervienne lui-même auprès du preneur d'otages, c'était une autre affaire. Il a été en toute mer en disant « j'ai 20 gosses qui sont pris ». Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. On peut être amis pour ça. On peut avoir confiance l'un en l'autre. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi ? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, écoutez, il vaudrait mieux que vous n'entriez pas trop souvent dans cette salle de classe, parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir en plus, il y avait plus de 10 enfants, pris en otage, d'avoir un ministre qu'il serait. Alors, il m'a dit, bien, je ne sais pas, il en a tenu compte plus ou moins, d'ailleurs. À mon avis, il est quand même retourné. J'essaie de trouver le pognon, j'essaie de trouver la voiture, je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Un membre du gouvernement ne doit pas se mettre en avant comme ça. S'il avait été lui-même pris en otage, on aurait eu bonne mine. Les hommes du RAID sont aussi troublés par cette intervention. Nous, on n'aime pas trop que des personnages trop importants se mettent dans la négociation dès le départ. Nicolas Sarkozy entre malgré tout à plusieurs reprises dans la classe et obtient plusieurs libérations. Voilà, vous l'avez promis. Les autorités vont dès lors répondre à la demande de Human Bomb. Une somme de plusieurs millions de francs est apportée à la maternelle. Le preneur d'otages n'avait aucune idée du volume qu'on représentait à la rançon qu'il demandait. Ça a été un marché permanent de sacs d'argent qui arrivaient, qu'il fallait compter. Et en échange du sac d'argent, on libérait un enfant. En milieu d'après-midi, après avoir obtenu la libération de plusieurs enfants, Nicolas Sarkozy se rend compte que la situation se tend. Il vient nous voir à chaque fois en nous disant que ça va être de plus en plus dur de sortir des enfants. Là, on commence à devenir très inquiet. Au soir de cette première journée, il reste encore 6 petites filles et leur maîtresse prises en otage. Et les hommes du RAID s'interrogent sur les éventuelles réactions de Human Bomb. Est-ce qu'il va tenir le coup psychologiquement ? Est-ce qu'il ne va pas faire une bêtise, même involontaire ? Nous sommes toujours dans cette tension-là. Le lendemain matin, le preneur d'otage ne veut plus ni laisser sortir d'enfants, ni négocier avec personne, et en aucun cas avec Nicolas Sarkozy. Il a dit qu'il ne voulait plus voir le maire de Neuilly, ce qui finalement le rendait service. Nicolas avait fait suffisamment, il avait obtenu des résultats indiscutables, mais là, il valait mieux qu'il se retire et que la police puisse gérer les choses avec le procureur de la République. Le maire de Neuilly n'est donc plus maintenant en première ligne, mais il reste cependant sur les lieux. Nous sommes alors au deuxième soir de la prise d'otage, et la principale information est que le forcené n'a toujours pas dormi. Il donnait des signes de fatigue manifestes, par conséquent, il pouvait complètement perdre la tête et lui-même se dire, j'en termine. Moi, j'ai dit aux policiers du RAID, on ne peut pas prendre de risques. Donc, il faut se préparer à intervenir. Et il faut choisir un moment où soit il sera endormi, soit il relâche un peu d'attention. Un somnifère est alors versé dans le café de Human Bomb. Et au petit matin, alors qu'il semble assoupi, les hommes du RAID décident d'intervenir. Les gens du RAID m'ont dit, ça y est, c'est terminé. Il a été abattu, c'est fini, et les petites filles sont sauves. Je suis rentré dans la salle. On voyait que la nuit a été très longue, très très longue. Cette prise d'otage vient donc de prendre fin. Et un homme se retrouve très vite sollicité par les médias qui l'attendent devant l'école. Monsieur Sarkozy, vous avez suivi heure par heure, minute par minute, toutes ces négociations. Quels sont les moments qui ont été les plus durs pour vous ? Je vous réponds très simplement. 45 heures, 59 minutes et 59 secondes.
Il n'y a qu'une bonne seconde depuis maintenant un peu moins de 2 jours. Le jour au lendemain, il a été connu. Puis il a été connu comme quelqu'un de courageux, qui a risqué sa vie lui-même dans cette affaire. On se dit, c'est un type courageux, il y va. Donc son image associée à celle de sauveur d'enfants affrontant un monstre, ça fait faire un bond spectaculaire à sa popularité. Pour lui, ça a été un tremplin, indiscutablement. Après cette affaire de la maternelle de Neuilly, Nicolas Sarkozy n'est désormais plus un ministre comme les autres. Et la preuve s'observe dans les enquêtes d'opinion. Pour la première fois, le ministre du Budget fait son entrée dans les baromètres de popularité des personnalités politiques. Nous sommes alors à 2 ans de l'élection présidentielle. Et c'est un nouvel événement politique, celui-là, qui va à nouveau bouleverser la trajectoire de Nicolas Sarkozy. Oui, je vais monter 30 secondes. Je vais monter 2 minutes chez le Premier ministre. À l'automne 1993, Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, mais aussi porte-parole du gouvernement, s'est imposé comme l'homme clé de l'équipe d'Édouard Balladur. Il avait un bureau à Bercy, un bureau à Matignon, parce que Balladur le consultait surtout. Il est presque devenu très rapidement, non pas un Premier ministre bis, mais il était dans l'ombre du Premier ministre en permanence. Balladur lui donne cette reconnaissance sociale qui a un prix infini pour Nicolas Sarkozy. De son côté, le Premier ministre, lui, prend goût à l'exercice du pouvoir, d'autant qu'il est porté par une vraie popularité. Édouard Balladur avait un succès incroyable dans l'opinion publique. Les Français regardent Édouard avec l'œil de chimène. Enfin, il a des sondages, 75% d'opinion positive. L'homme fort à l'époque, c'est pas Chirac. C'est Balladur. Et ces très bons sondages poussent de plus en plus Édouard Balladur et son premier cercle à s'interroger sur son avenir politique. Et puis on a senti très vite que la fonction l'entraînait à regarder peut-être ailleurs et un peu plus loin et un peu plus haut. Nicolas Sarkozy, lui, se retrouve donc face à un dilemme. Tiraillé entre sa fidélité historique à Jacques Chirac et sa nouvelle complicité avec Édouard Balladur. À partir du moment où Balladur entrait dans la logique d'être présidentiable, c'était intenable pour Nicolas Sarkozy de faire le grand écart. Il lui fallait forcément choisir entre un Jacques Chirac d'un côté et un Édouard Balladur de l'autre. Pour l'heure, aucun candidat n'est encore déclaré à droite. Alors, que choisir ? Qui choisir ? Édouard Balladur est au fond le père que Nicolas Sarkozy aurait aimé avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui le soutient toujours, l'aide, le promeut, l'accompagne dans son ascension et qui en même temps lui laisse une assez grande liberté, ce qui n'était pas le cas de Jacques Chirac. Édouard Balladur le considérait véritablement comme son futur Premier ministre, alors qu'il n'y a jamais eu ce rapport-là avec Jacques Chirac. Il était emballé par Chirac au départ. Et il espérait être davantage reconnu par lui. Et Chirac s'est toujours méfié de lui, finalement. Et c'est justement à Jacques Chirac que Nicolas Sarkozy va maintenant annoncer sa décision dans son bureau de l'Hôtel de Ville. Il va lui dire, écoutez, c'est vous qui avez mis Édouard Balladur à Matignon, c'est vous qui l'avez poussé, c'est vous qui m'avez poussé à le rejoindre et à l'aider, et maintenant, je travaille avec Édouard Balladur. Comme il a dit à Chirac, ça fait des années, ça fait 18 ans que je vous suis, et finalement, on est allé de défaite en défaite. En gros, c'est vrai qu'il y a un moment où il en a un peu assez, il a envie d'aller vers la victoire. Il a eu, lui, le courage, alors que tellement de gens ne l'avaient pas, d'aller voir Chirac et de lui dire, voilà, à partir de maintenant, je roule pas pour toi. Jacques Chirac, à ce moment-là, Jacques Chirac lui dit « Mais tu ne devrais pas mettre tes œufs dans le même panier. » Ça vaut plutôt dire « Choisis pas tout de suite, tu verras bien. » Et imagine qu'Édouard Balladur ne puisse pas se présenter. Et en gros, c'était « Bon, je note ce que tu me dis, mais tu vas te rendre compte que tu te trompes. » Et puis, je suis sûr que d'ici quelques semaines, tu vas dire « Bon, je me suis trompé, c'est pas très grave. » Et il a été très longtemps dans cette attitude-là. Pourtant, en coulisses, la bataille a déjà commencé. Nicolas Sarkozy est même à la manœuvre. Et le premier acte va se jouer le 16 septembre 1994 par un véritable putsch au sein du camp chiracien. Il organisait de manière très, très professionnelle le ralliement à Édouard Balladur, des ministres et des députés qui étaient pour l'essentiel d'entre eux des gens qui devaient leur carrière à Chirac. Ce jour-là, 41 parlementaires RPR sont invités à déjeuner par Nicolas Sarkozy. Parmi eux, le député Jean-Yves Chamard.
Il nous réunit quelques-uns pour nous dire, voilà, mon analyse, c'est Édouard Balladur qui doit être candidat pour nous faire gagner et que d'ailleurs, peut-être, Jacques Chirac, qui était très bas dans les sondages à l'époque, n'irait pas jusqu'au bout de son idée de candidature. Et il m'a convaincu assez facilement. La plupart d'entre nous sont des amis de Jacques Chirac, qui a fait le RPR. Nous pensons que Édouard Balladur est aujourd'hui le meilleur. Les députés se faisaient promettre monts et merveilles. Et ceux qui étaient un peu récalcitrants, on allait parfois jusqu'à les menacer, les pressuriser. Bon, les députés disaient « Ok, ça va, on signe ». Là, on était 41, mais parce que je ne peux pas recevoir plus de personnes dans cette petite salle à manger. Et il y a, c'est vrai, chez Nicolas Sarkozy, une forme de brutalité qui fait que rien ne le retient. C'est constant chez Sarkozy. Il faut montrer qu'on enlève des proies à l'ennemi. Même ses amis préfèrent nous suivre. Alors, je vous fais une confidence. Ils sont très proches du Premier ministre et ils soutiennent l'action du gouvernement. Mais il y en a d'autres et on aura l'occasion de vous le montrer. C'était très impressionnant. Et en même temps, je vous le dis rétrospectivement, parce que je l'ai pensé, très choquant. Jacques Chirac n'y a longtemps pas cru. Mais cette fois, il comprend que Nicolas Sarkozy a lancé l'offensive contre lui et qu'il aura bientôt un adversaire à droite. Jacques Chirac a mis du temps à l'admettre. Et très vite, il lui en a voulu. C'est ressenti par Jacques Chirac, par Bernadette Chirac et par Claude Chirac comme une trahison absolue, totale. Bernadette Chirac nous a dit « Ce petit monsieur, ce voyou, je lui botterai les fesses jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. » C'était des mots lourds, durs. Et là, il avait tué le père définitivement. Et je crois qu'il ne l'a jamais pardonné. Une fois de plus, Nicolas Sarkozy s'affranchit de l'autorité du père. Mais côté chiracien, la perte de soutien et les mauvais sondages n'entament en rien la détermination du candidat qui rentre officiellement en campagne en novembre 1994. Si j'ai choisi pendant ces deux dernières années de m'éloigner des ors de la République, si j'ai pris le risque parfois d'une certaine solitude, c'est parce que je voulais me tourner vers les Français et non pas vers le pouvoir. Je me souviens deux ou trois fois l'avoir vu nous dire en tout petit comité, ne vous inquiétez pas, j'irai jusqu'au bout et je gagnerai. C'était l'époque où les journalistes lui demandaient dans les émissions s'il allait continuer d'être candidat. Vous parliez tout à l'heure de votre détermination. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent. Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour ? Certains, de temps en temps, se demandent de temps en temps la détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça ? Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Conforté par les enquêtes d'opinion, le camp Balladur, lui, affiche son optimisme. Je me rappelle certaines conversations que nous avons eues où il se demandait si Balladur ne serait pas élu au premier tour. C'était une évidence, c'était une sorte de marche triomphale à l'élection présidentielle. Alors, ce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle va donc devenir officiel. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé avec le président de votre candidature ? Nous sommes le 18 janvier 1995. Au mois de mars 1993, les Français ont confié le pouvoir à une nouvelle majorité. Que c'est triste, que cet homme est triste. On a l'impression d'entendre Pompidou, ou de voir Pompidou dans le bureau de Matignon. Il a pris cette allure de majesté, un peu comme s'il était déjà élu. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Cette déclaration de candidature est sans doute une faute politique majeure et qui permet à Jacques Chirac de dire, au fond, la droite populaire, c'est moi, la droite bourgeoise et aristocratique, c'est lui, et tout de suite de s'emparer du terme de la fracture sociale, laissant à Édouard Balladur la défense des beaux quartiers. Nous sommes 20 000. Il a besoin de vous. La France a besoin de lui. Voici Édouard Balladur. Nicolas Sarkozy a beau tenter par tous les moyens de moderniser un candidat qui ne l'est pas, rien n'y fait. Progressivement, c'est bel et bien Jacques Chirac qui va reprendre l'avantage sur Édouard Balladur.
Il a fait le maximum, mais enfin, on voit très bien que devant les caméras, devant les projecteurs, devant le public même, il a une réticence que n'a pas du tout Chirac. Bon. Balladur a sûrement cru pendant longtemps qu'il était imbattable, que tout le monde l'a cru, et puis tout le monde lui a mis dans la tête qu'il était imbattable. Et Chirac était remonté sur son cheval, et Chirac en campagne, c'est Chirac, bon. Il est 20h précise, voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. Éliminé Édouard Balladur, 18,5% des suffrages exprimés. Édouard Balladur éliminé, comme des millions de Français, Nicolas Sarkozy va découvrir en direct sur un plateau de télévision la réaction de son candidat. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ce soir-là, celui qui envisageait déjà de devenir Premier ministre comprend que cette défaite d'Édouard Balladur est aussi la sienne. C'est le premier vrai frein à ses ambitions. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais calcul et a imaginé qu'il allait vivre des années très, très difficiles. Tout s'écroule. C'est le coup d'arrêt à l'homme pressé. Ce soir-là, il se dit « je suis foutu, politiquement ». Ironie du sort, Nicolas Sarkozy n'en a pas terminé avec la campagne présidentielle. Tout comme Édouard Balladur, il va maintenant soutenir Jacques Chirac. Il se rend alors au meeting de l'entre-deux-tours qui se déroule à Bagatelle, mais la réunion de famille souhaitée n'est pas à l'ordre du jour. J'arrive avec Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy et on est sifflé par les militants du RPR. Ce sont des parias, ce sont des parias. À droite, c'est simple, quand on n'aime pas, on tue. Où on cherche à tuer. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, qui est vraiment vert olive, avec des cernes sous les yeux, etc., passe sous les huées. On s'est fait cracher dessus. C'était une... Mais vraiment, une bouffée de haine. On est là, avec Nicolas, on le vit très mal. Non seulement il a changé de camp, pensent les Chiraciens, mais en plus il a été un acteur engagé, créatif et quelque peu agressif dans cette campagne. Il ressent ça avec évidemment un désir de revanche, c'est vous tous qui me sifflez là, un jour vous m'acclamerez. Et dernière pierre à l'édifice de ce mauvais choix politique, le soir du deuxième tour, le 7 mai 1995, Nicolas Sarkozy découvre la victoire de Jacques Chirac. Celui qui était son père politique est enfin devenu président de la République. Alors, que faire? Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment le choix. Il s'efface et se replie sur sa mairie de Neuilly. Retourner du grand pouvoir pour gérer une petite commune résidentielle et bourgeoise ennuyeuse de l'Ouest parisien, ça doit être terrible. Il est seul, mais seul physiquement, dans son bureau de la mairie de Neuilly, et vraiment, plus personne n'osait se montrer avec Sarkozy. Il y a une mise à l'écart claire et nette. À l'époque, Cécilia lui dit, mais après tout, avec tes capacités intellectuelles, quel intérêt à ton âge de rester maire de Neuilly et député, alors que tu pourrais faire une grande carrière dans le privé. Il m'a dit qu'à un moment donné, il s'était posé la question de continuer, parce qu'il était avocat, il aurait pu effectivement avoir d'autres activités. Mais dans son fort intérieur, son ambition présidentielle était dans son ADN, donc il n'aurait jamais quitté la politique. Et le premier signal de cette traversée du désert qui s'annonce, Édouard Balladur, vous allez le vivre auprès de Nicolas Sarkozy. Ça se passe à Bagatelle, 6 jours après le premier tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac réunit ses troupes. Il y a des insultes, il y a de la colère, il y a des huées.
Vous aviez anticipé que ce rendez-vous de bagatelle, il puisse être compliqué. Oh, pas compliqué, très simple, c'est-à-dire hostile. Hostile. Nicolas Sarkozy le craignait, ce rendez-vous ? Il s'était beaucoup engagé dans la campagne, et, sans prendre de précautions et sans prudence, si je puis dire. Et sans faire dire, comme certains le font parfois dans les campagnes électorales, au camp adverse, je dis ou je fais ceci, mais ne vous faites aucun souci, etc. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle assurer son avenir. Il ne l'avait pas fait. Ça, j'en suis certain. Vous vous souvenez d'ailleurs que c'est lui qui avait pris l'initiative d'aller voir Jacques Chirac pour lui expliquer qu'il allait et qu'il avait fait ce choix de vous soutenir. C'est une forme courage politique, ça lui ressemble ? Oui, tout à fait. C'est une forme de sincérité aussi, et de courage politique et un désir de clarté. Il voulait qu'il soit parfaitement clair que désormais, je crois qu'il avait ça assez vite d'ailleurs, il l'a fait dès les premiers mois de mon gouvernement, que désormais il se tenait à mes côtés. Bon, bah, c'est très bien. Il a pesé dans votre choix de vous présenter ? Non. Non. Pas plus lui que d'autres, d'ailleurs, ces choix, je l'ai fait seul, en fonction d'une analyse de la situation qui était ce qu'elle était. Ça aurait d'ailleurs pu marcher, il s'en avait pas fallu tellement. Mais il n'a pas... Non, il ne m'a jamais cherché à me convaincre. D'ailleurs, il m'en parlait relativement peu. Et moi-même, d'ailleurs, j'en parlais assez peu. Et j'en parlais même pas du tout. Est-ce qu'il aurait été votre Premier ministre ? Oh, écoutez, ça, je ne me suis pas posé la question. Et si on se la posait ce soir ? Ah, vous pouvez, oui, mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt. De toute façon, je n'ai pas de pouvoir de décision ce soir, je vous signale. Alors, diriez-vous que votre relation avec Nicolas Sarkozy, elle a parfois été décryptée dans beaucoup de livres, comme une relation assez atypique ? On a parlé d'amitié. Ça existe, l'amitié, en politique ? Ça peut exister ? Oui, ça peut exister, et nous avons des relations amicales que nous avons nouées petit à petit au fil des jours et des mois. Ça veut dire complicité ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, complicité, on n'est pas toujours du même avis. La complicité, ça signifie qu'on fait les choses ensemble. Mais le mot complicité ne me plaît pas, il y a un côté complice, complicité, voilà. Et disons affinité, disons solidarité. Même si nous sommes deux hommes très différents de caractère et de goût. Mais enfin, ça n'empêche rien. De goût pour certaines choses. On dit que c'est vous qui l'avez initié à certaines chaussures et aux cigares. Oh, je ne sais pas. Le cigare, il en parle encore. Ah bon ? Oui. Il n'en fumait pas avant ? Non. Ah, c'est bien, vous voyez que j'ai été un homme influent tout de même. Quelle influence ! Nicolas Sarkozy vous aurait dit un jour, après l'élection présidentielle en 95, « je vous vengerai ». Quand on prononce ce genre de phrase à quelqu'un, la personne s'en souvient. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase ? Non. Jamais ? Non. Non. Puis j'avais pas... Vous savez, quand on se venge soi-même. On peut venger les autres aussi, parfois. On peut avoir envie de le faire, mais non, il m'a jamais dit ça. Ça vous aurait étonné, ce type de propos venant de sa part, ou au contraire... Ça m'aurait étonné qu'il me le dise. Qu'il vous le dise. Qu'il le pense, en revanche. Je ne sais pas. Et puis, ce n'était pas un problème de vengeance ou pas de vengeance. Il s'agissait d'avoir une certaine conception de l'histoire et de l'avenir de notre pays, de la faire triompher. Je n'y suis pas parvenu. Ce n'est pas du domaine de l'affectif, tout ça. C'est du domaine du rationnel. Il y a parfois de l'affectif chez Nicolas Sarkozy aussi. Oui, chez moi aussi, mais enfin, c'est plus ou moins montré. Durant cette période que l'on a appelée la traversée du désert, qui est une période durant laquelle il est retourné à la mairie de Neuilly, est-ce que, selon vous, il aurait pu arrêter la politique ? Est-ce que c'est une idée qui a pu lui traverser l'esprit ? Non. Il le disait parfois, mais je n'en croyais rien. Parce que c'est ce qu'il aime. Parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il fait. Peut-être qu'il saurait faire autre chose, d'ailleurs. Pas peut-être, sûrement. Mais je n'ai jamais pensé qu'il arrêterait la politique, puisqu'il en faisait depuis l'âge de 18 ans et qu'il s'était fixé un but. Et je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait renoncer avant d'avoir atteint son but. Et vous pensiez déjà que ce but, il l'atteindrait un jour ? Vous savez, on ne sait jamais. Je ne pourrais pas en être sûr. Lui non plus, on n'était pas sûr. Alors, Nicolas Sarkozy va se fixer un nouvel objectif, se repositionner sur la scène politique. Reste à savoir maintenant comment. À partir de 1997, le maire de Neuilly est conscient que seul le rétablissement des liens avec Jacques Chirac mettra fin à sa traversée du désert. Mais il faudra plusieurs années avant que les relations ne se normalisent,
entre les deux hommes. Il m'a téléphoné pour que nous nous rencontrions. Nous ne les ayons pas vus depuis assez longtemps. Et il m'a dit, écoute Bernard, moi je suis à l'heure actuelle toujours dans ma traversée du désert, mais je veux en sortir, il n'y a pas de raison que ça dure éternellement. Au début, Jacques Chirac ne veut même pas en entendre parler. Jacques Chirac n'avait pas du tout envie de faciliter les choses à Nicolas Sarkozy. Ce qui s'est cassé sur le plan affectif ne s'est jamais reconstitué. Mais la dissolution, la défaite aux législatives et la nouvelle cohabitation changent la donne. La politique est ainsi faite. Jacques Chirac, affaibli, a conscience qu'il va falloir oublier les disgrâces. Il accepte alors l'idée de revoir Nicolas Sarkozy. Lors d'un petit déjeuner entre Villepin et Sarkozy, Villepin se retire et laisse entrer Jacques Chirac. Et là, c'est les retrouvailles entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Nicolas a affirmé sa solidarité à l'égard de Jacques Chirac et sa volonté de participer très activement à la campagne. L'affaire n'était pas gagnée. Finalement, Nicolas Sarkozy va se mettre une nouvelle fois au service du candidat Chirac pour l'élection présidentielle de 2002. Leur coopération pendant la campagne, c'était de la coopération cohabitation. Hein. Chacun cherche à être utile à l'autre, mais enfin, on vérifie du coin de l'œil ou par-dessus l'épaule ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Nous sommes dans l'entre-deux-tours et à la surprise générale, Lionel Jospin a été éliminé. Jacques Chirac se retrouve confronté à Jean-Marie Le Pen. L'issue du scrutin ne fait plus aucun doute. Et les journalistes s'interrogent déjà sur le nom du futur Premier ministre. Le président de la République vous propose d'être son Premier ministre. Lundi, c'est lundi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas lundi et je ne suis pas le président de la République. Bonsoir. Jacques Chirac doit donc désormais faire un choix. Il va nommer son Premier ministre. Plusieurs noms circulent. Et parmi eux, celui de Nicolas Sarkozy. Il y a vraiment beaucoup de proches de Jacques Chirac qui plaident la cause de Nicolas Sarkozy. Au premier chef, Dominique de Villepin, qui propose effectivement que Nicolas Sarkozy soit à Matignon. Alors, Dominique de Villepin sera-t-il entendu ? C'est la deuxième fois que Nicolas Sarkozy a le secret espoir de faire son entrée à Matignon. Il était devenu un acteur incontournable en 2002, au point qu'on pouvait légitimement penser qu'il serait Premier ministre. Nicolas Sarkozy, en privé, se répandait en disant « De toute manière, j'ai vu Jacques Chirac, il me l'a répété, Matignon, c'est pour moi. » Et c'est le président de la République lui-même qui va lui faire part de sa décision. Jacques Chirac va appeler Nicolas Sarkozy pour lui expliquer qu'il n'ira pas à Matignon, mais qu'il sera numéro 2. Chirac voulait le faire rentrer dans le jeu, mais il se méfiait de lui, donc il ne l'a pas nommé Premier ministre. Ça aurait été une récompense. Et Jacques Chirac n'avait pas du tout envie de récompenser Nicolas Sarkozy pour son itinéraire. Ce sera sans doute pour lui une petite douleur qu'il gardera au cœur un certain temps. Une petite douleur, ou plutôt une réelle blessure. C'est donc Jean-Pierre Raffarin qui est nommé au poste de Premier ministre. Nicolas Sarkozy lui hérite du ministère de l'Intérieur. Un poste important, mais risqué. L'idée de Chirac n'était pas de le tuer, parce qu'il cherchait à l'utiliser, mais c'était pas de l'aider non plus. Même si Chirac ne sous-estime pas Sarko, il se dit qu'il va prendre beaucoup de coups dans ce ministère. Et à l'intérieur, c'est « vas-y, fais tes preuves, tu as une mission importante, maintenant on va voir ce que tu vaux ». Pour Nicolas Sarkozy, pas question d'échouer, bien au contraire. Il va même vouloir transformer ce poste en tremplin pour demain. Nous sommes le 8 mai 2002, le nouveau ministre de l'Intérieur arrive place Beauvau, et ce jour-là, il n'est pas seul. À la passation de pouvoir, j'ai vu Madame Sarkozy, tout de rouge vêtue, arriver dans le hall du ministère. À l'époque, personne n'a encore mesuré que ce n'est pas seulement un homme qui fait son entrée au ministère, mais bel et bien un couple. Il rentre dans le ministère, main dans la main avec son épouse Cécilia. Je ne m'attends pas à ce que Madame investisse les lieux en même temps, je dirais, que le nouveau ministre de l'Intérieur. Avec cette arrivée remarquée, Nicolas Sarkozy fait passer un message. Son ascension politique se fera désormais à deux. On ne peut pas concevoir l'ascension de Nicolas Sarkozy sans Cécilia. C'est vraiment une affaire en tandem.
C'est un couple totalement fusionnel. Il s'appelait 10, 15, 20 fois par jour. C'est lui qui souhaite ça. Lui, il a besoin de sa femme auprès de lui. C'est un élément d'équilibre. Nicolas Sarkozy aura toujours cette phrase pour justifier la présence de son épouse en disant « c'est la part non négociable de moi-même ». T'as vu ce très bon sondage ? Oui, j'ai vu ça ce matin, on m'a appelé pour me le donner. Chaque étape de la journée se vit à deux. Un dialogue, une écoute, des conseils permanents. Cécilia Sarkozy est toujours là. Elle a des avis très tranchés sur beaucoup de sujets, sur des questions politiques, sur des dominations, sur des gens qu'il faut écarter. Elle a ses propres contacts politiques, d'ailleurs. C'est ça qui fait sa force, c'est qu'elle est capable de prendre son téléphone, de demander le sentiment des uns et des autres, et y compris, des fois, de se mettre en opposition. D'accord, on va essayer. Voilà, c'est bien, je te voyais venir avec tes gros sabots, tu me trouves Mulhouse, à la place de Rouen. Non, c'est pas possible. C'est demain, Rouen. C'est demain, c'est jeudi. Non, c'est jeudi matin. Non, on peut faire ça un week-end, un samedi? Non, on ne peut pas faire ça un samedi, parce que les samedis sont déjà tous... Non, mais il y en a un qui est annulable ce samedi-là, je peux te le donner. Elle me paraît, mais au moins autant que lui, attirée par l'exercice du pouvoir. Chérie. Et dans la stratégie de conquête, l'image d'une famille moderne est soigneusement travaillée. De manière tout à fait inédite, le ministère de l'Intérieur s'ouvre aux caméras. Cécilia. C'était la maison du secret, c'était la maison de la police secrète. On ne faisait pas du cinéma autour du ministre de l'Intérieur, et encore moins du couple. Ça, il faut quoi? Il y a une décomplexion de la communication de Nicolas Sarkozy qui est clairement celle d'un enfant de la télé. La télé, elle est là pour être instrumentalisée par lui, être utilisée. Avec Nicolas et Cécilia, c'est non-stop. On remet 5 décorations par jour, il y a des cérémonies dans la cour, tout le monde vient, des acteurs. Ça va être un formidable tremplin, à la fois en termes de communication, mais en termes proprement politiques. En quelques mois, Nicolas Sarkozy devient le ministre le plus médiatique et le plus populaire du gouvernement Raffarin. Les journalistes comme les politiques sont séduits par le style, la marque qu'il impose. L'ambition présidentielle du couple s'affirme très rapidement et elle n'est même plus un sujet tabou. On est sur le toit du ministère de l'Intérieur, à quelques mètres de l'Élysée, qu'on voit parfaitement. Et Cécilia Sarkozy, en me montrant l'Élysée, me dit « ben voilà, on y est presque ». Nous sommes alors 3 ans avant le terme du mandat de Jacques Chirac. Le 14 juillet 2004, comme chaque année, la garden party présidentielle est organisée. Celui qui, entre-temps, a retrouvé le ministère des Finances arrive à l'Élysée accompagné de son épouse. Et le couple attire une nouvelle fois tous les regards. En arrivant avec Cécilia Sarkozy, en formant ce couple quasi pré-présidentiel qui frappe, évidemment, il veut créer le contraste. Le couple avait décidé de se mettre en scène pour trancher avec le côté très conservateur de la fin du mandat de Jacques Chirac. C'était tout à fait délibéré. Il veut humilier aussi Jacques Chirac, hein, qui déjà à l'époque est plus âgé, qui est avec Bernadette. Le couple Sarkozy signait des autographes, se faisait prendre en photo, etc. De son côté, le chef de l'État, lui, supporte assez mal l'omniprésence et l'ambition de celui qui se verrait bien un jour à sa place. Pour Jacques Chirac, Sarkozy est devenu une sorte de sale gosse. Ça l'agace au plus haut point de le voir affirmer sa volonté d'être le futur candidat aux élections présidentielles. Il pompait l'oxygène de Jacques Chirac. Quoi. Il n'y en avait que pour lui. Les journaux n'en avaient que pour lui. Et cet agacement présidentiel va apparaître au grand jour lors de la traditionnelle interview du chef de l'État. Pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Jacques Chirac, il n'a pas envie que son ministre soit un présidentiable, il a envie que soit un ministre. Et donc, il le gifle, quoi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Jacques Chirac recadre méchamment Nicolas Sarkozy. Je décide, il exécute. Et il tape du poing sur la table, mais... il n'entame rien, la volonté, le désir, la détermination de Nicolas Sarkozy. Effectivement, ces quelques mots n'ont aucun effet sur la marche qu'a entamée Nicolas Sarkozy. Et celui-ci poursuit sa route, avec cette fois une nouvelle étape.
Pour accéder au pouvoir suprême, il faut un parti, et sa conquête devra être grandiose. Une démonstration de force qui a lieu le 28 novembre 2004, devant 40 000 militants. Avec Cécilia Sarkozy, il va concevoir cette prise de pouvoir comme une vraie prise de pouvoir à l'américaine. Elle a organisé tout ce qu'elle a choisi, mais jusqu'à la musique d'ambiance de ce grand show. Rien ici n'est donc laissé au hasard. L'événement doit marquer les esprits. C'était le couronnement d'une mobilisation et d'une détermination. C'était un vrai succès. C'était vraiment un vrai succès. Il montre bien qu'il est en position de force, et en position de force notamment face au président de la République, qui n'avait pas voulu qu'il prenne le parti et qui doit admettre qu'il le tient tout entier. Et à la différence du chef de l'État, Bernadette Chirac, elle, a choisi de mettre de côté la trahison de 1995. Incontestablement, depuis des années, Bernadette Chirac avait compris que Nicolas Sarkozy était incontournable. Je suis prêt comme jamais sans doute je ne l'ai été. Je suis prêt parce qu'au plus profond de moi-même, je sais que la France ne redoute plus le changement, mais qu'elle l'attend. Et ce changement, c'est nous qui allons l'incarner. Et la prise du parti, c'est très très important, puisque c'est la machine de guerre pour aller justement vers l'élection présidentielle de 2007. À ce moment-là, il n'y a plus de doute pour personne qu'il sera le candidat, mais même le seul candidat de la majorité de la droite. Et au lendemain de son élection à la tête de l'UMP, Nicolas Sarkozy quitte le gouvernement selon la règle établie par Jacques Chirac. Il structure son équipe et même si rien n'est encore officiel, tout le monde a bien compris quel était son objectif. Tout semble se mettre en place, mais en pleine campagne pour le référendum sur la Constitution européenne, c'est une affaire personnelle qui va profondément toucher Nicolas Sarkozy, une affaire privée qui va devenir publique. Nous sommes le 21 mai 2005. Trois journalistes suivent le déplacement du président de l'UMP. Il est attendu pour un meeting en province et dans l'avion. L'ambiance est quelque peu tendue. Il est arrivé, il était comme une pile, quoi. Enfin, il était très énervé, le téléphone glissait aux oreilles. Et on le sentait très affecté, on ne savait pas pourquoi. Et à un moment donné, il dit à un de ses collaborateurs, « Je veux que tout ceci reste secret. » Bon, très bien. Personne ne savait rien. À son arrivée à Rennes, Nicolas Sarkozy tente de ne rien laisser paraître de son trouble. Le meeting a été expédié à une vitesse grand V. Il voulait rentrer à toute vitesse à Paris. Les journalistes ne sauront finalement rien des raisons de la tension de Nicolas Sarkozy ce jour-là. Mais à Paris, les langues se délient. On évoque le départ de Cécilia Sarkozy. Dès le lendemain, c'est un événement qui va alimenter un peu plus encore ce qui n'est pour le moment qu'une rumeur. Nous avions invité Nicolas Sarkozy et à 3h de l'après-midi le dimanche, Claire Chazal m'appelle et me dit Nicolas Sarkozy se désiste. Et bon, je suis un petit peu surpris, même totalement surpris pour tout dire. Il dit qu'il est fatigué, qu'il a... Il est trop crevé, que bon voilà, il laisse sa place. Laisser sa place n'est pas dans les habitudes de Nicolas Sarkozy. Et cette annulation attise encore un peu plus la curiosité médiatique. Il a choisi de montrer son bonheur. Il n'a sans doute pas mesuré que ça amènerait l'exposition éventuelle de son malheur, et le malheur est arrivé. Après plusieurs jours de bruit et de chuchotement, la rumeur est devenue une information, au point de pousser Nicolas Sarkozy à s'exprimer sur le sujet à la télévision. Nous sommes le 26 mai 2005, sur le plateau du journal de France 3. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Il pense que lui-même doit en parler plutôt que de la laisser se répandre. On a parlé d'un coup de fatigue et puis de difficultés dans votre vie privée. Quelle est la vérité ? La veille, on a été en contact avec Franck Louvrier, qui était son conseiller en communication. Et quand on lui a posé la question sur l'affaire, est-ce qu'il allait en parler, Franck Louvrier a dit « oui, il parlera de tout ». Vous voulez parler de la rumeur ? Mais interrogez-moi alors, faites votre joli métier. Voilà. Allez jusqu'au bout. Quelle est la réponse que vous voulez que je vous apporte ? Je ne sais pas, quelle est la vérité ?
Je savais pas du tout comment il allait me répondre. Il est normal qu'en tant qu'homme public, je réponde aux questions. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que parfois ça va un peu loin? Et que ma famille mérite aussi d'être respectée? C'est une horreur d'aller parler de sa vie privée devant, je vous dis, des millions de téléspectateurs. Il y a le chagrin, il y a aussi l'orgueil, il y a forcément une part d'orgueil. À un moment donné, sa vie privée, elle est plus aussi parfaite, idyllique qu'il veut bien la raconter, et à ce moment-là, il voudrait qu'on s'arrête. On ne peut plus s'arrêter. Alors la vérité, elle est très simple, comme des millions de familles. La mienne a connu des difficultés. Ces difficultés, nous sommes en train de les surmonter. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne le pense pas. Il va à la fois expliquer et envoyer un message aussi à Cécilia Sarkozy en disant qu'elle compte tellement pour lui. Et en même temps, expliquer aux Français qu'après tout, il est comme eux et qu'il connaît lui aussi des difficultés. Et ma famille a besoin d'un peu de répit. Et je demande simplement que ma famille soit respectée. Moi, je suis un homme politique. Je peux combattre. Je peux me défendre. Eux, pas. Personne n'avait imaginé qu'elle partirait comme ça, soudainement, brutalement. Nicolas Sarkozy a reçu un coup sur la tête effrayant, quoi. C'est un choc, dans tous les sens du terme. Il est choqué. À 2 ans de la présidentielle, Nicolas Sarkozy ne peut envisager la conquête du pouvoir sans celle avec qui il a façonné son histoire et son ambition. Cécilia partie, c'est un grand vide dans l'organisation de Nicolas Sarkozy. Cécilia, c'est pas seulement l'épouse, c'est la conseillère, c'est l'organisatrice. À ce moment-là, il veut tout faire pour la garder. Ça a été sans doute pour lui quelque chose de très dur et très difficile. Et au fond, il a fait notre admiration dans cette situation. Parce que nous savons tous la dureté de la vie politique et affronter une campagne présidentielle dans ces circonstances. Cet échec personnel, cette humiliation, cette douleur accroît encore sa volonté de revanche. Gérer une crise de couple, c'est difficile pour tous les couples, mais là, évidemment, c'est un moment très difficile où toute son énergie et tout son temps sont consacrés à la préparation de la présidentielle. On sent bien, pour les journalistes qui le suivent à ce moment-là, que le cordon avec Cécilia n'est pas totalement coupé, qu'il va tout faire pour qu'elle revienne. Tout en étant attaché à la conquête du pouvoir, il ne va pas cesser de veiller sur elle, de faire en sorte qu'elle ne craque pas, d'abord de faire en sorte qu'elle revienne. Et elle va revenir, elle va repartir et revenir et repartir. Donc ça va être un souci absolument constant. Après un an d'absence, de départ et de retour, d'interrogation, la presse s'apprête à suivre Nicolas Sarkozy, redevenu ministre de l'Intérieur. Nous sommes le 29 juin 2006, lors d'un déplacement en Guyane. Le thème est alors la lutte contre l'immigration clandestine. Mais l'enjeu de ce voyage est ailleurs. Il y a toute cette nouvelle complicité qu'on met en scène. On est effectivement dans la pure communication politique, avec l'ensemble des médias, dont celui que je dirigeais, qui se plient à cette comédie, y participent. Cécilia Sarkozy réapparaît donc aux côtés de son mari devant les caméras, qui capte cette image en forme de message. Elle est revenue pour qu'il gagne. Elle pensait profondément qu'il ne pourrait pas arriver à la présidence de la République sans son aide. Dès lors, Nicolas Sarkozy compte bien à nouveau s'appuyer sur son épouse pour organiser sa campagne. Il voudrait qu'elle redevienne ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire sa chef de cabinet et sa conseillère privilégiée. Cécilia, en revenant, était mal à l'aise et elle n'a jamais repris sa place. Cécilia Sarkozy s'est mise à détester l'équipe rapprochée de son mari. Une équipe qui, de son côté, a également appris à travailler sans elle, qui a planifié une stratégie sans son omniprésence que certains redoutaient. On peut alors parler de défiance réciproque. Elle lisait l'opprobre dans le regard de ceux qu'on appelait la firme, quoi, et qui, dans le fond, étaient très contents qu'elle soit partie, étaient délivrés de la pression qu'elle mettait sur Nicolas Sarkozy, peut-être du rôle qu'ils jugeaient excessif sur leur mentor. Hein. Il y en avait qui se disaient, après tout, faudrait peut-être mieux qu'elle parte une bonne fois pour toutes. Elle n'est pas fiable.
craignait le pire. Cécilia Sarkozy, auparavant si présente, s'impose désormais une discrétion inhabituelle. C'est une Cécilia Sarkozy assez en retrait. Et plus la campagne va avancer, moins on va la voir, à tel point que quasiment sur les dernières semaines de la campagne, on ne la voit plus du tout. Elle ne s'occupe pas de la campagne, elle ne vient pas rue d'Anguin, elle n'encombre pas le bureau. Voilà. Cela pèse beaucoup sur la campagne parce que ça introduit un élément d'angoisse pour lui. Nicolas Sarkozy maintient les apparences de son couple, mais il le sait désormais fragile. Nicolas Sarkozy a vécu cette campagne comme un chemin de croix. Elle a été terriblement douloureuse pour lui, au plan personnel. C'est vraiment du dédoublement de la personnalité, parce que vous avez d'un côté le candidat qui poursuit sa route, et puis vous avez un homme auprès duquel j'ai été quotidiennement à ce moment-là, qui a souffert comme j'ai rarement vu souffrir un homme. Après plusieurs mois de campagne, Nicolas Sarkozy est en passe d'accéder au but qu'il s'était fixé il y a bien longtemps déjà. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, il arrive en tête et son épouse est ce soir-là à ses côtés au siège de campagne. Vient alors le second tour, il affronte la candidate socialiste, Ségolène Royal. Et l'heure des résultats approche. Ce n'est bien sûr pas un jour comme les autres. Ce 6 mai s'annonce comme le sacre d'une ambition. Toute la famille est là, les fils de Nicolas Sarkozy, sa mère et même son père. Nicolas Sarkozy arrive dans l'après-midi à son QG de campagne. Il s'enferme alors avec son équipe. J'en ai encore la chair de poule, le fait d'en parler, parce qu'on était tout capteur dehors. On était dans l'hypersensibilité partout. C'est-à-dire qu'on se croisait sans se parler, mais à la fois c'était une ruche. On est entre 17h et 17h15. Le directeur de l'Institut d'Opinion vient de dire à Nicolas Sarkozy: vous ne pouvez plus perdre. Vous avez gagné l'élection présidentielle. Vous êtes président de la République. Nicolas Sarkozy reçoit alors un coup de téléphone qui n'est pas anecdotique au regard de toute cette histoire, celui de Jacques Chirac. Là aussi, c'est une belle revanche, c'est une belle récompense. Parce que Chirac n'y croyait pas qu'il y arriverait. À 20h, le visage du nouveau président va apparaître sur les écrans de télévision. Ça y est, les Français ont tranché et c'est dans quelques secondes maintenant que vous allez découvrir notre... Et Nicolas Sarkozy souhaite vivre cet instant symbolique entouré de ses proches. Conséquent, voici le résultat de notre estimation Ipsos Dei. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué. C'est d'abord une émotion énorme. Être élu président de la République, c'est quelque chose d'hallucinant. Le jour où ça vous arrive, j'imagine que personne d'autre que ceux qui l'ont été peuvent comprendre. C'est un bonheur extraordinaire que d'avoir été choisi par des millions de Français. C'est une joie amoureuse, c'est une consécration. En même temps, c'est la revanche de sa vie, bien sûr. Là, il a été aimé par 53% des Français. Je trouve ça formidable, parce que 53%, c'est un résultat formidable. La question est de savoir s'il est aimé par ceux dont il a envie d'être aimé autour de lui. Car ce soir-là, dans la pièce où l'on célèbre sa victoire, on retrouve le premier cercle, ses amis, ses proches et des membres de la famille de Nicolas Sarkozy. Mais il manque en fait une personne, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de son épouse. Progressivement, on comprendra que ce soir-là, cette relative réserve était peut-être aussi une part de tristesse. Il n'allait pas très bien, oui, mais il ne le montrait pas. Il y avait sûrement des choses à l'intérieur de lui ou une situation personnelle complexe, sans doute. Pour bien comprendre, il faut juste remonter quelques heures en arrière. C'est une image qui a surpris de nombreux observateurs et proches du couple Sarkozy. Elle date de la mi-journée, au moment où le candidat vote à Neuilly. J'allume la télé et je vois Nicolas aller voter avec ses deux belles filles et pas de Cécilia. Je comprends qu'il y a un problème, évidemment,
Et donc j'appelle Cécilia et je lui dis « Écoute, il faut que tu ailles voter. » Et je suis pas prête, non, etc. Je lui dis « Je viens te chercher, je suis à côté. » « Non, non, je ne suis pas prête, etc. Et » Et je cède et je lui dis simplement « Promets-moi d'y aller dans la journée. » Elle me dit « Oui. » Mais Cécilia Sarkozy ne tiendra pas sa promesse. C'est quand même probablement un des jours les plus importants pour Nicolas Sarkozy, mais il lui manquera toujours une voix, celle de Cécilia Sarkozy. Et plus la journée avance, plus on s'interroge. Mais où se trouve donc l'épouse du candidat ? Elle restait chez elle, elle était en jean, elle ne voulait pas bouger. Elle est chez elle à Neuilly, devant sa télévision. Et c'est donc comme des millions de Français, devant son téléviseur, que Cécilia Sarkozy découvre ce soir-là les premières images du nouveau président élu. À 20h30, Nicolas Sarkozy arrive à leur salle Gaveau pour prononcer son premier discours. Il est submergé par l'émotion. Il doit sans doute voir des images fortes de sa vie et des images fortes, je pense, des images affectives. En m'adressant à vous ce soir, dans ce moment qui est, chacun le comprend, exceptionnel dans la vie d'un homme. À ce moment-là, il s'est élevé. Il s'est élevé de chef de parti, il passe effectivement à cette candidature suprême. Il y a à la fois de la joie, il y a beaucoup de gravité. Ce n'est pas seulement une responsabilité de gestion qui vous tombe dessus, c'est une responsabilité d'incarnation. Je ressens une immense, une sincère et une profonde émotion. J'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible d'appartenir à une grande, à une vieille, à une belle nation, la France. J'aime la France. J'aime la France comme on aime un être cher qui m'a tout donné. Maintenant, c'est à mon tour de rendre à la France ce que la France m'a donné. La soirée se poursuit et comme depuis le début de la journée, dans chacun de ses déplacements, Nicolas Sarkozy est accompagné de ses fils et de ses belles-filles. La France ne comprend pas pourquoi le président est accompagné dans sa voiture, non pas de la première dame de France, mais des deux jeunes femmes blondes. Les enfants vont faire bloc et compenser cette absence, qui est l'absence pourtant la plus remarquée de la journée. À peu près une quarantaine. Nicolas Sarkozy est alors attendu place de la Concorde, où ses partisans sont réunis pour fêter la victoire. La Velsatis de Nicolas Sarkozy ne va pas du tout à la Concorde. Nicolas Sarkozy n'est pas allé tout de suite place de la Concorde. Il s'est arrêté dans un restaurant près des Champs-Élysées. Ça n'est pas prévu, à tel point que les journalistes qui suivent ne comprennent pas très bien ce qui se passe. À moins que Nicolas Sarkozy ne soit en train d'entamer une descente à pied des Champs-Élysées. Non, non, il est en train de rentrer au restaurant. Il faut bien penser à s'alimenter aussi, même quand on est président de la République. En fait, si Nicolas Sarkozy s'arrête au Phuket's, c'est parce qu'une soirée a été organisée par son épouse, dans la plus grande discrétion. On savait depuis quelques jours, oui. Elle a simplement fait appeler quelques jours avant les invités du Phuket, en leur disant, voilà, une petite cérémonie est prévue en cas de victoire. Et tout le monde a gardé le secret et rien n'a jamais été éventé. Il y a du beau monde à l'intérieur, mais Nicolas Sarkozy, pour l'instant, est toujours à l'intérieur. Il a décidé finalement de faire attendre ses supporters, qui sont là bien calmes maintenant. Il y a beaucoup de forces de l'ordre. Et Le président m'avait dit, on passe au Phuket et on va à la Concorde. On est là, on est content de le voir, nous, mais probablement on pensait de le voir une demi-heure et on le voit deux heures. Place de la Concorde, la foule de ses supporters commençait à s'impatienter. Personne ne comprend ce qui se passe. La télévision ne comprend pas, la presse ne comprend pas. Et tout ça crée, en cascade, j'allais dire, une sorte de suspense incroyable. Les artistes sont là, les partisans sont là. Place de la Concorde, ils l'attendent, ils attendent de voir le nouveau président de la République. Les commentateurs à la télévision sont obligés de meubler. À la radio, des journalistes qui disent, écoutez, on imagine que le nouveau président fête sa victoire, mange, boit une coupe de champagne, mais ils ne savent rien. Nicolas Sarkozy est toujours à l'intérieur, il ne daigne pas sortir, il n'a peut-être pas fini de manger, de dîner. En fait, avant de se rendre place de la Concorde, Nicolas Sarkozy attend son épouse, Cécilia. Elle vient, elle vient pas, tout était compliqué, les enfants étaient là, elle n'était pas là. Enfin bon, c'était un peu surréaliste.
Il reste à l'attendre en piaffant, s'énervant, téléphonant, etc. Il est insupportable. Et elle est en train de lui, probablement, lui gâcher la plus belle soirée de sa vie. C'est ça qui se passe. Pour mettre fin à cette longue attente, Nicolas Sarkozy demande à une amie du couple d'intervenir. C'est le président qui a appelé Isabelle pour que elle fasse sortir Cécilia de son nid, de son trou. L'objectif, c'était qu'elle vienne. Donc voilà, j'ai utilisé tous les arguments à ma disposition pour la convaincre. Difficile de connaître l'état d'esprit de Cécilia Sarkozy ce soir-là. Ses amis lui disent, mais maintenant c'est fini, tu ne t'appartiens plus, ton destin t'échappe, tu vas devenir première dame de France, tu ne peux plus faire ce que tu as envie, comme n'importe quelle femme. Dans son esprit à elle, ce jour-là, elle l'a amenée là où elle devait l'amener, et son rôle est fini, c'est-à-dire qu'elle voudrait un tombé de rideau. Mais aux alentours de 22h40, Cécilia Sarkozy quitte finalement son appartement de Neuilly. À un moment, son officier de sécurité vient lui dire que sa femme est arrivée. Et il part la rejoindre et ils partent ensemble. Le nouveau président élu et son épouse prennent alors la direction de la place de la Concorde. Monsieur Nicolas Sarkozy, le président de la République. Pour la première fois de la journée, le couple présidentiel apparaît en public. Le visage émacié, douloureuse. Elle essaie de faire bonne figure, elle a les yeux encore un peu rouges, elle n'est pas heureuse. Toute cette soirée, on a été entre la comédie du pouvoir et la comédie humaine. J'ai des éléments d'appréciation qui font que j'y crois pas vraiment. Je l'espère, je le souhaite, mais j'ai un doute sérieux. 10 jours plus tard, le 16 mai 2007, Nicolas Sarkozy vit l'aboutissement de sa carrière politique. Il va être investi président de la République. En fin de matinée, il est accueilli à l'Élysée par Jacques Chirac. Il doit être très content d'avoir succédé à Chirac, quoi. Ça a été à la fois celui qui l'a amené à la politique, celui qui l'a admiré, puis celui qui l'a combattu, puis celui qui a essayé de l'abattre, mais c'est le premier à avoir survécu à Chirac. Et là, voilà, il doit se dire, ça y est, j'y suis. De cet enfant humilié qu'il a eu le sentiment d'être pendant si longtemps, il a fait un président de la République. Il veut montrer qu'il est plus fort que ses frères. Il veut montrer à sa mère, mais non, t'inquiète pas, je vais réussir. Il veut d'ailleurs montrer au père qu'il n'a pas eu qu'il est meilleur que tous. Ce qui exaspère Nicolas Sarkozy, c'est qu'au fond, tout au long de sa vie, il n'a vu son père revenir que lorsqu'il avait obtenu des postes importants. D'ailleurs, ça sera terrible, parce que le père, en sortant, dira « J'aurais aimé avoir un fils président des États-Unis ». On n'y arrive jamais, c'est toujours la claque. Je pense avec gravité au mandat que le peuple français m'a confié et à cette exigence si forte qu'il porte en lui et que je n'ai pas le droit de décevoir. C'est une responsabilité énorme. On a une très grande ambition. On vient de faire rêver les Français au moment de l'élection. Plus ou moins, mais lui, il en a fait rêver un bon nombre à ce moment-là. Il croit en lui, je ne veux pas dire qu'il croit en son destin, mais il croit en sa capacité. Il ne doute pas d'être le meilleur et il est convaincu que les Français attendent de lui un grand changement et qu'il va réaliser ce changement. Et c'est ainsi que s'achève le premier chapitre de cette histoire, celui de la conquête qui a conduit Nicolas Sarkozy là où il rêvait d'être,
le seul président de la République de l'histoire à avoir entamé sa carrière comme simple militant et à avoir gravi les marches du pouvoir les unes après les autres. Pour la suite, voici quelques lignes que celui-ci avait écrites en 2003, en préface de la réédition de son ouvrage intitulé « Libre ». Bien sûr, pour mieux être crédible, on espère avoir la chance avec soi. La croissance internationale sera forcément au rendez-vous. La guerre ne sera pas inéluctable. Les consommateurs dépenseront, les fonctionnaires ne protesteront pas et par-dessus tout, les Français seront patients. Mais un jour, très exactement le lendemain de la victoire, tous ces scénarios ne comptent plus, ou plus exactement, il n'en reste plus qu'un seul, celui du réel. Cet exercice du réel sera peut-être l'objet d'un deuxième chapitre, celui de l'exercice du pouvoir. Merci à vous et à très bientôt.